Mais on attend un petit peu. En tout cas, il faut attendre. Bonjour tout le monde. On attend un petit peu. Ah voilà, Gabriela. Ah, c'est la Gabriela. Ouais, la belle maison, j'avais pas compris. Bonjour Dominique. Bonjour chère Lisgang. Excusez-moi, je passe devant. Ça se fait pas trop. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le temps radouci aujourd'hui, un temps clément. Ils annoncent un peu de pluie, mais on va dire qu'on s'en fout. On a la canne qu'il faut. Alors, bonjour à tous. Voilà Gabriela, la miss qui arrive. Écoutez, petite introduction rapide. Encore une fois, où je vais vous remercier à tous pour vos commentaires. Bonjour Charlize Gang. Bonjour la boutique by Lucie. Bonjour Dominique. Qui c'est d'autres qu'on a, j'ai pas vu avant. Oh, mademoiselle, bonjour. Bonjour à toutes les nouvelles arrivantes. Pour celles qui ne travaillent pas encore avec nous, bonjour Marie-Laure, bonjour Calimode. Salut tout le monde, salut Marie-Laure. Pour celles qui ne travaillent pas encore avec nous, je vous laisserai prendre contact avec nous à la suite du live pour faire une commande. Vous nous envoyez juste un petit DM sur Instagram, on prendra vos coordonnées. Pour toutes les autres qui connaissent déjà le système, les commandes, c'est comme d'habitude. Vous avez possibilité de commenter en direct sur le live avec le nom de l'article. Sous les commentaires, on prépare votre commande dès demain. Comme d'habitude. Et sinon, pour WhatsApp, le lendemain, toute la sélection est mise sur WhatsApp avec les prix, les tailles qu'on s'est taillées. Absolument comme d'habitude. Je démarre, je redis bonjour à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Toujours une petite capsule très choisie, très réfléchie. Et surtout, on essaye d'introduire les clients dans notre petit univers très mode, facile à vendre, boostant le chiffre d'affaires. On essaye de les inscrire dans un certain projet qui est de faire grossir le chiffre d'affaires de semaine en semaine. Voilà les amis, je démarre avec un nouveau pantalon velours. Toujours le pantalon velours Milray, très souple en matière. Le velours que vous connaissez tous maintenant, je ne vous apprends rien. Alors, matière, elle est de ouf. Je te coupe, celui-ci, il a une différence à l'intérieur. Il est plus molletonné que celui qu'on a déjà montré avant. Ah, d'accord. Ouais. Bah, je ne le savais pas. Ouais, effectivement, il est un peu chaud. Il est un peu plus molletonné. On tend sur des matières un peu plus chaudes. Donc, on a super bien vendu aujourd'hui ce pantalon. C'était une nouveauté. Donc, on a tenu à le mettre dans le live du jour. On pensait faire un live avec d'autres produits. Finalement, ça n'était pas complet au niveau des couleurs. Et quand bien même, peut-être un peu trop chaud. Donc, ça sera pour après, bien sûr, parce que c'est des valeurs sûres. C'est les mailles sèches que vous connaissez déjà. Pour les nouvelles, vous ne connaissez pas, vous verrez. Ça va faire gonfler votre chiffre d'affaires de ouf. Pour l'instant, on reste dans des produits qui se vendent au jour le jour. Pantalon Gabi beige. Gabi, le camel. Donc, le camel, il est couleur un peu pastel. Enfin, pastel. Il est très doux. C'est pas un camel chocolat. Alors, c'est entre le camel et le chocolat. Kaki, bien évidemment. Super beau kaki, comme d'habitude. Toujours le même fournisseur, donc absolument sans surprise. Et enfin, le noir. 5 couleurs pour le pantalon Gabi, ultra, ultra facile à vendre. Avec la petite ceinture léopard, c'est de ouf. Ça, c'était le pantalon Gabi. Je passe à présent, tunique, super nouvelle, la tunique Emma. Donc pareil, au niveau taille, je ne vous invente rien. Il habille 44-46, cœur léopard et c'est marqué love, enfin il y a tout pour plaire. Cœur léopard sur support velours. Toujours la même matière, toujours ce velours un peu velouté, beige, on va l'appeler beige clair, on va l'appeler beige foncé. Évidemment, le kaki, donc tout est très beau. Le léopard rend super bien, ses couleurs fauves, elles rendent super bien. Choco, Anna elle s'approche, Anna elle adore le choco, je le sais. Et elle me dit que c'est super tendance cette année. Et enfin le noir, donc là pareil, 5 couleurs pour la tunique velours. Col V, col Lurex, Emma. Ça n'est que des premiers prix. Une tunique, par exemple, comme ça, elle fait 12,50. On en vend à tour de bras. Comme a dit Gabriela, évidemment, tous ces produits sont sur WhatsApp dès demain, dès 9h du matin. Ensemble, Jessica. Donc, c'est le Bombers. Alors, c'est un Bombers qui... Je peux y aller si tu veux. Gabriela, elle veut partir, elle veut nous quitter. Mais bon, elle est ultra débordée par les commandes. On croule sous les commandes. Alors, ensemble, Jessica, c'est le Bombers. Alors, comme vous le voyez, il taille super, super généreux. C'est hyper important. 1,38, il fait un peu loose, un peu ambiance décontracte, mais un peu looké. Et celle qui fait un 44-46, c'est top aussi. Donc, le zip, normal. Et enfin, le pantalon. Alors, je vais essayer de vous montrer le pantalon basique.
large, tranquille, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le produit est beau. C'est un vrai beau produit fini. Deux pièces. Alors, l'ensemble Jessica, il existe en beige clair, en beige plus soutenu. Très, très beau ce beige. Hein. Je les repose à chaque fois, mais c'est très lourd. Choco, le vrai beau chocolat, un vrai chocolat un peu nègre. Pas choco rouge, hein. Je le dis toujours parce que les choco rouges, je ne les mets même pas, c'est trop moche. Évidemment, marine, kaki, je repose, pardonnez-moi, c'est trop lourd. Et le noir, évidemment, le noir, tranquille, sans risque. Six couleurs, Anna, je vais te laisser zoomer, je ne peux pas les porter les six, ça pèse 3 tonnes. C'est Jessica. Alors, Jessica, ensemble Jessica, pantalon large, bombers, généreux au niveau de la taille, beige clair, beige plus soutenu, tout sera sur WhatsApp, je répète, chocolat, kaki, marine et noir. Je passe à présent pantalon velours, pantalon Sophie. Alors, vous connaissez ce pantalon velours, la différence, c'est qu'il a l'étoile. Étoile lurex, mais c'est très très léger au niveau de l'étoile. C'est pas un sequin, c'est un lurex collé, donc ça va super bien. Pantalon Sophie, beige clair, beige plus soutenu, chocolat, je montre avec l'étoile, c'est plus judicieux. Kaki, magnifique, avec l'étoile or, c'est magnifique. Et noir, basique. Cinq couleurs pour le pantalon Jessica. Sophie, pardon, si je commence à vous embrouiller, ça ne va pas trop le faire. Super bonne vente aujourd'hui, on était fermé jeudi, vendredi, on les a eu je crois mardi, mercredi, on est déjà à plus de 800 pièces. On a super bien travaillé, c'est vraiment le produit, ça coche la cliente. Vous mettez ce pantalon avec n'importe quoi en haut, un pull maille, du velours aussi, n'importe quoi, tout passe bien. Toujours dans le velours, veste Patricia. Léopard intérieur, revers léopard aux manches, c'est bien fini. Alors, je laisse Anna zoomer sur le velours. C'est un autre velours Milleray, un petit peu plus large, moins souple. C'est le vrai pantalon velours qu'on mettait quand on avait 15 ans, 20 ans. En tout cas, je parle pour moi, hein. J'en ai plus 15, j'en ai plus 20. La veste Patricia, elle existe en beige, camel, kaki, elle est magnifique. Chocolat, c'est le vrai choco, nègre dont je vous parlais tout à l'heure. Il est juste magnifique ce choco. Noir. Et enfin, marine. Je vends un petit peu moins de marine. Les cinq couleurs que je vends énormément tous les jours, c'est ces couleurs-là. Mais je vends un petit peu de marine. Anna, elle m'a dit, si, mets-le avec un jean, c'est super joli. Alors, je me suis dit qu'il existait puis que j'allais vous le mettre. Ça faisait plaisir à tout le monde. Six couleurs. Dans la veste Patricia, très facile, intérieur léopard, revers léopard, au niveau taille, donc évidemment c'est des fausses poches. C'est ça que tu regardais, Anna ? Oui. Et la taille, vous habillez tranquille jusqu'au 44. Au-delà, ça rentre, mais ça ne ferme pas. Je peux montrer les différences entre les velours. C'est... Tout à fait. C'est la différence du velours avec les autres velours, là c'est un velours très souple. Donc, ce velours, c'est celui qu'il y avait dans la tunique avant et le pantalon. Velours très souple, très doux. Alors, celui-ci, il est doux, mais c'est le vrai velours qu'on vendait avant. Et ça, vraiment, ça fonctionne. Mais pas étonné, parce que l'hiver dernier, on a vendu énormément de velours comme ça. De pantalons un peu grand-père dans ces velours, dans les couleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les couleurs claires. Les beiges foncés, les chocolats. Un peu de kaki, un peu de noir, mais beaucoup dans les coloris clairs. Pour aller avec les mailles sèches, pour aller avec tout un univers très doux, comme ça, très montagne. Donc, on était à la veste Patricia. Je passe à présent au pantalon Kelly, la même matière que la veste Patricia, avec ceinture cuir. Pantalon Kelly, donc façon pantalon un petit peu grand-père, avec un revers un peu loose, c'est très joli. Pantalon Kelly beige, pantalon Kelly camel. Kelly kaki, Kelly noir. Et il existe en marine aussi, mais je ne l'ai pas là. Mais on va dire que les quatre couleurs numéro 1, évidemment, dans le pantalon Kelly, c'est celle-là, le beige, le camel, le kaki, le noir, les coloris très faciles.
S'il rentre du choco, on le mettra sur WhatsApp. Pas demain, mais par la suite, on remettra le produit sur WhatsApp. Comme ça, c'est vraiment tout le confort sur le palier. On fonctionne tellement avec ce WhatsApp que, bon, vous avez compris que absolument tout se passe sur WhatsApp. Pull Dorothée, c'est le pull rock que l'on connaît. C'est le pull sans couture. C'est notre ami, le pull sans couture. Donc, au niveau taille, c'est généreux. C'est 44-46. Pull Dorothée, très facile à vendre. Le rock, vraiment, absolument dans l'air du temps. Donc, le beige. Le beige plus soutenu. Est-ce qu'on peut appeler ça le camel? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est les couleurs qui existent. Le vrai chocolat, donc pull Dorothée. Le kaki, le noir et enfin le marine. Le pull rock, c'est-à-dire Dorothée, 6 couleurs. Le beige plus soutenu qu'on va appeler camel, le chocolat, le kaki, le noir et le marine. Maintenant, je vous présente un basique qu'on vend à mort. C'est des petits produits à 7,90€. C'est Angora, c'est une triple matière, je crois. Je peux d'ailleurs vous le dire. Le Laetitia, c'est un col rond. On vend beaucoup de colvé. Lolita. J'ai dit quoi? Laetitia. Pourquoi j'ai dit Laetitia? Tu vois, parce que je pense à autre chose, je pense au produit. Alors, le pull, le petit haut Lolita qu'on met sous les blazers. Exemple, que vous mettez sous un blazer, comme ça. Bon, évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les exemples. Il n'y a pas plus facile à vendre un tailleur jupe, n'importe quoi, dans un jean. Donc là, c'est un col rond. Mais c'est un col rond un petit peu large. Il y a un très, très beau décolleté. Ça, j'ai cartonné. Alors, le haut Lolita est cru. Camel, ça fait partie de nos basiques. On est vraiment très, très spécialiste de tous les basiques. Le chocolat. C'est un choco chiné, celui-ci. Un brique qui est aussi chiné. Kaki qui n'est pas chiné, mais c'est un kaki. Le gris, un anthracite et enfin noir. Alors après, il existe des indigos, des choses comme ça. Ça ne rentre pas dans ce projet un petit peu uniforme au niveau des couleurs. Ça a une harmonie. Je ne voulais pas esquinter l'harmonie et montrer toutes les couleurs, sinon on ne s'en sort pas. Là, j'ai 7 couleurs dans le haut Lolita col rond, je vous disais, avec un très très beau décolleté. Il va super bien, on en vend des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et en supplément, je vais quand même vous donner la compo. Parce que c'est quand même important. Il est doux de ouf. Hein. Oui, donc viscose, nylon, PBT. PBT, ça veut dire qu'il y a du modal. C'est pour ça qu'il est si doux. Donc le haut Lolita avec du modal. Donc je ne vous dis pas, c'est une caresse. Hein, sur la peau. Le haut maintenant, Isabelle, dans nos basiques. Ça, c'est des produits qu'on vend tout le temps, très, 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 très bien. Colurex V, donc le V, il est parfait. C'est un côtelé, une vraie belle côte. Il y a un nom pour cette côte, c'est un peu une côte Richelieu. Au niveau de la taille, vous habillez bon poids jusqu'au 44, voire plus. Après, ça moule, bien évidemment, mais ça rentre. Alors, le haut Isabelle, c'est toujours des premiers prix. Écru. Beige, le beige, il est juste fabuleux. Le taupe. Taupe, il est très beau. Vous voyez que le bordurex, il est magnifique. Le camel. Le camel, il est un peu chiné. Magnifique. Le chocolat. Alors, c'est un choco qui est un peu rouge, mais je trouve qu'il rentre bien dans le projet. Et il fait entre le brique. Enfin, il passe bien. Le brique, pour le coup, le vrai brique. Le kaki. Donc, c'est toujours le haut Isabelle. Hein. Le kaki, évidemment, évidemment, le noir, la base, le marine. Et là, même si ça ne rentrait pas trop dans le projet, j'ai tenu à les montrer. Ils sont juste trop beaux. Le indigo, un bleu de jean, mais magnifique. Il est lumineux, en fait. Et le gris anthracite avec le col durex, c'est hyper beau. Donc, le haut Isabelle, 2, 4, 6, 10 couleurs. Le haut Isabelle, je le remontre comme ça. 10 couleurs. Très, très belles couleurs qui rentrent complètement dans le projet avec des couleurs automnales, voire d'hiver, magnifiques. Je passe à présent, produit ultra, ultra commercial, la veste Catherine. Veste Catherine, c'est la veste poilue, toujours la matière qu'on vend à la mort.
Vraiment, ça, c'est des produits qu'on vend très, très bien. Donc, elle taille bien. Elle a deux poches en bas. Elle a un revers côtelé tout le long. Elle est super jolie, super facile à vendre. La veste Catherine, c'est un premier prix. Elle existe en écru. Beige, très, très belle en beige. Hein. Des couleurs très douces, en fait. Hein. Camel, pareil, le camel, il est un peu, j'appelle ça pastel, moi, mais il est doux au niveau de la couleur. C'est pas un camel agressif. Moi, j'aime pas trop. Au teint, je trouve que c'est pas terrible. Là, je trouve que ça passe tout seul. Brique, super lumineux. Et bien, évidemment, c'est dans la matière un peu poilu, donc tout est très lumineux. Et le noir également, il est lumineux parce que c'est du poilu, je répète. C'est la veste Catherine, 5 couleurs, écru, beige, camel, brique, noir. La veste Catherine, j'allais dire Isabelle, j'allais dire des conneries. Je passe toujours aux produits poilus. Petite veste, petit Spencer, Olivia. Olivia, c'est ça ? Olivia. Ouais. Donc, poilu, toujours du poilu, un peu nid d'abeille, c'est étoffé, c'est un vrai joli produit. Vous avez la veste Olivia, l'écru, le beige. Avec les beiges, c'est très, très, très beau dans le poilu. Le camel, il est waouh, j'adore, il est super beau. Le chocolat. Donc, je répète, tout rentre dans ce projet très hivernal. Des vraies belles couleurs. Et enfin, la noire, le basique des basiques. Le noir et l'écru, c'est le basique des basiques. Hein. Voilà, 5 couleurs pour la veste Olivia. Alors, elle va tailler plus petite que l'autre. Mais quand bien même, vous allez jusqu'au tranquille jusqu'au 42, petit 44. Ça se porte ouvert. Il n'y a pas de bouton. Ultra facile à vendre, ultra facile à porter. Alors maintenant, je repasse à ma chère bouclette. La bouclette, cette année, on ne s'en sort pas. On en vend de plus en plus. Pull Marina. Pull bouclette. Col V. On vous a présenté le col rond plusieurs fois. Le col rond se vend énormément dans ce pull bouclette. Mais maintenant, on a du col V. On le vend super bien. C'était vraiment bête qu'on ne l'ait pas du début de saison. Allez savoir pourquoi. Il sort que maintenant. Il fait le même prix. Alors, pull bouclette, écru, excellent l'écru. Pardon, c'est le pull Marina, bouclette, col V, beige, camel, même s'il est un peu clair, on va l'appeler camel. Et enfin, noir. Normalement, sur WhatsApp, on mettra quand il y aura le kaki. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de kaki, même chez le fournisseur. En Italie, ils n'ont pas produit de kaki, ça va arriver après. Donc, c'est le pull Marina. Super bon la bouclette, en plus c'est ultra chaud, ultra léger, facile d'entretien, enfin tout pour plaire. Pull Marina, 4 coloris, l'écru, le beige, le camel et le noir. Le produit facile de chez Facile. Toujours dans la bouclette, la veste Bérénice. Alors je vais déjà la montrer comme ça, donc évidemment elle taille super bien. Elle a une capuche super étoffée. Pas une petite capuche rikiki. Moi, j'aime bien quand une capuche, elle a un peu d'ampleur. Ça lui donne une envergure à la veste. Et le clou du produit, c'est ça. Numéro 5. Voilà, Cannes Côte d'Azur Paris. Bref. Mais léopard avec l'urex, c'est hyper, hyper tendance. Hyper fashion. Donc ça, c'est là. Vous voyez, je dis pas les choses. Bérénice. Alors, elle existe en blanc. Écru, bien sûr. Et elle existe en noir. Veste Bérénice. Super, super tendance, super fashion surtout. Veste Nathalie. Donc, devant, vous avez bien compris que c'est la même chose. Et le dos, donc toujours la même capuche, exactement le même modèle. Hein. C'est le print qui change. Amour. Donc, c'est plus amour, mais c'est amour. On va dire que c'est une petite déviance. Et elle existe, bien sûr, en noir. Donc, c'est la veste Nathalie. Voilà les amis, j'en ai fini avec la bouclette. Je passe à un produit super tendance, super facile, qui passe à la caisse. Enfin, c'est du tout bon. C'est la veste Irène. Elle est taillée SML XL. C'est des paquets de 4 pièces, donc c'est des petits packings tranquilles. Il n'y a pas lieu de prendre des quantités. Absolument toutes les tailles se vendent. Hein. Méfiez-vous, quand vous ne prenez pas de S, vous aurez besoin du S. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est des paquets de 4 pièces, ça se vend par 4 pièces. C'est bombe atomique. Aujourd'hui, on a reçu 200 vestes. Je vous dis, ben, y a plus rien. Heureusement que j'ai enlevé une S pour montrer ce matin. Évidemment, je ne vais pas montrer une XL. La XL, elle taille XL. Il n'y a pas de surprise. Intérieur léopard.
revers léopard. Très important, un col châle. Vraiment la petite vestounette tranquille, SML XL, donc 4 pièces, 4 tailles. Veste Irène, elle n'existe qu'en noir pour l'instant. Mais de toute façon, c'est en noir qu'elle est la plus belle. Elle va normalement rentrer en kaki. Mais en noir, c'est le produit le plus facile à vendre du monde. Donc veste Irène, je répète, intérieur léopard, revers léopard et SML XL, 4 tailles. C'est du premier prix, on la vend de ouf. Je passe à présent un petit peu aux grosses pièces. Parce c'est sûr que c'est 4 tailles, je pense. J'ai 4 tailles, S, M, L, XL. Ah oui, ok. Oui, 4 tailles, S, M, L, XL. Maintenant, veste Charlie. Je passe aux grosses pièces parce que, à contrario des autres années, on vend énormément de grosses pièces. Je suis assez surprise parce que d'habitude, alors c'est vrai qu'il a fait un peu frais, ça a dû jouer. Il n'y a pas que. Moi, je connais le travail. C'est pas qu'une histoire de température. On vend beaucoup de matières chaudes, on vend beaucoup de grosses pièces, on vend beaucoup de mailles sèches, des produits ultra chauds. Ça ne fait peur absolument à personne. Et même au marché, j'ai des clients qui font les marchés, qui ont des gros bancs. Ils déballent le matin, il ne fait pas spécialement froid. Ils me disent, mais je comprends pas, je vends des grosses pièces, je vends des mailles sèches, des ventes à 150 euros en 2 minutes, comme ça. La cliente ne regarde même pas ce qui est léger. Veste Charlie, j'arrête mon baratin. Donc, au niveau taille, évidemment, super généreux, de vraies poches cette fois. Le zip, la veste Charlie. Donc c'est, je ne sais pas comment appeler ça, ça s'appelle de la bouclette aussi. Hein. C'est ultra chaud, c'est pas doublé, il n'y a pas besoin, c'est super, super chaud. C'est un premier prix, je la cartonne. Le beige, il est un peu chiné là, les couleurs sont ultra bien faites. Vous l'avez donc en beige, en camel. Anna, je vais te laisser zoomer sur la camel. On voit la différence avec le beige. Parce que la camelle, au niveau de la jauge, ça fait un peu poilu, un petit poil blanc. C'est magnifique, ça fait un petit effet chiné. C'est hyper joli. Donc en camelle, attendez, je vais me débrouiller autrement. Voilà, kaki, c'est la veste Charlie, hein, c'est ça? Ouais, Charlie. Donc beige, camelle, kaki, c'est un kaki un peu olive, magnifique, gris. Et enfin, noir. Le noir, comme le poil est un petit peu blanc, il fait un peu anthracite, très foncé. Franchement, la matière, elle est waouh. Les couleurs, elles sont waouh. La veste Charlie, le prix, ne vous inquiétez pas, il est waouh aussi. Vous verrez tout sur WhatsApp dès demain matin. Voilà, 5 très, très belles couleurs dans la veste Charlie. Alors, ce matin, on a reçu une flopée de manteaux comme ça. On a cartonné. C'est le manteau flo. Donc là, c'est le mouton, façon mouton, hein, vous connaissez le principe. Ça fait des années qu'on fait ce produit. La différence, intérieur, léopard. Revers, léopard. Le manteau, il est bien fait. C'est un 7/8. Il n'est pas long, mais il n'est pas court non plus. C'est un 7/8. Le manteau flow, il existe. En écru, donc toujours les couleurs de base. Hein, parce que ces produits-là en noir, moi, je trouve pas ça terrible. Je trouve très, ça très beau, très montagne dans les couleurs claires. Parce que dans tout ça, il faut avoir un petit peu de goût quand même. Hein. Manteau flow, écru. Manteau flow beige, flow camel et enfin le kaki. Alors ce manteau flow, il plaît absolument. Je pose les amis, excusez-moi, c'est lourd. Je le remontre. Bon, on est cru, il est juste magnifique. Hein. Ouais. Ça, au niveau de l'entretien, j'ouvre une petite parenthèse et je la referme rapidos. Vous mettez ça même à 40 dans la machine, ça ne risque rien. Alors je ne vous dis bien à vos clients donc. Évidemment, en délicat, ça passe crème. Pas de dégraissage, pas besoin de tout ça. Je sais pas, ça va tout seul. Moi, ma fille, elle a une veste depuis 2-3 ans, comme ça. Elle est passée déjà 70 fois à la machine, aucun problème. Je termine ma petite sélection, la petite capsule de ce lundi, avec la veste Hélène. Alors, je la dézippe un peu pour qu'on voit l'intérieur. Intérieur léopard. Le même, le vrai beau léopard. Il y a des léopards et il y a des léopards. Ce léopard, il est très, très beau. Comme dans le manteau flow, c'est le même léopard, de toute façon c'est le même fournisseur. Donc ils ont doublé avec la même doublure. Produit, il est ultra terrible. Veste Hélène, donc sans manche. Attention, hein, le sans manche, il a de l'allure. La capuche, elle a de la gueule. Elle est doublée léopard, pareil. Elle va super bien. La veste Hélène, hein, c'est une veste, c'est, je ne sais pas comment appeler ça. Petit blouson sans manche. Hélène, hein, oui, Hélène écrue, Hélène beige, Hélène camel,
Et enfin, Hélène, noir. Alors, dans le sans-manche, à contrario du manteau, je trouve ça très joli. En noir, je le trouve très joli. Et c'est pour ça que je l'ai mis. J'aurais pu rester sur ces trois couleurs. Mais j'ai mis celui-là parce qu'avec le léopard, je trouve ça hyper, hyper joli. Ça fait, il y a une belle capuche. C'est un produit qui est un peu cossu. Et c'est tout l'intérêt que je vous montre ce produit aujourd'hui. C'est des produits qui commencent à être un petit peu chauds. Donc ça, c'est la veste Hélène. La sans manche, c'est la Hélène. J'ai enfin terminé ma sélection. Vous savez qu'on a l'habitude depuis quelques temps de vous présenter des modèles de jeans qui ne sont pas trop chers. Attention, ce n'est pas parce qu'ils sont pas chers qu'on les vend. On les cartonne. C'est des produits qu'on cartonne. On a des vrais, vrais... c'est même compliqué parce que c'est très lourd à manipuler. Aujourd'hui, tous les jours, on a 20-25 colis que de jeans. Alors, jean Scarlett, hein, on vous mettra sur WhatsApp la référence du jean pour qu'on parle avec un langage très, très clair. Par exemple, ça, peu importe, c'est le 0211-3. On mettra jean Scarlett sur WhatsApp demain matin avec la référence. Hein, vraiment, parce que le tiret quelque chose, le 3 correspond à du jean. Un autre chiffre correspond à une autre couleur. Donc, on mettra la référence absolument complète. Alors, petite poche plaquée devant. C'est un wide leg. Petite poche plaquée devant. Petite poche plaquée derrière qui font des jolies fesses. On ne cesse de le répéter. Le jean, il est waouh. J'ai un client ce matin. Il m'a pris 4 paquets, donc 40 pièces. Il m'a dit, non, mais sur les 40 pièces, j'en ai déjà 25 de vendus, des clientes. Une qui a amené sa fille, sa belle-fille, son machin. Bref, il va de ouf. Donc, white leg. Hein. Le jean Scarlett, c'est des premiers prix. Il vaut 11,50. Le jean Viviane, on vous donnera la ref sur WhatsApp. Jean gris, c'est un white leg aussi. Il va de ouf, très, très beau délavage. Très, très beau délavage. Ouais. Et... veste, jean, veste, je range ça, Elvire. On vous donnera pareil la rêve, je répète. C'est une veste à 11,50, oversize. SML, les tailles, hein, c'est ça SML. Hein. SML, les tailles, vous faites un revers, vous faites pas de revers, comme vous voulez. Là, vous habillez absolument toutes les tailles, à savoir que c'est un modèle oversize. Là, c'est une petite taille. Le L, évidemment, vous allez habiller jusqu'au 44 ou 46, bon poids. Pareil, très, très beau délavage. À peine un tout petit peu déchiré, juste ce qu'il faut pour l'effet waouh, l'effet mode. Voilà les filles, je pense que j'ai tout dit, les filles et les messieurs, pardon. Hein. Je pense que j'ai tout dit, on a montré le meilleur de notre sélection pour cette semaine. On a d'autres produits, mais je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. On a vraiment mis le top du top, le top du top pour que vous boostiez vos chiffres d'affaires. Je vous ai dit en début de live, on vous inscrit dans un projet. Et les clients, je peux vous le dire, et ils m'ont redit aujourd'hui, on était noir de monde ce matin. Bon, Darielle, quand tu dis sur le live que tu nous inscris sur un projet, mais vraiment, j'ai le sentiment d'être sur un projet avec vous, parce que plus ça va, plus je viens souvent, plus je charge, plus je travaille. Donc, je crois que globalement, j'ai tout dit. Voilà. Voilà, les amis, travaillez bien. On s'occupe évidemment de vos commandes dès 9h du matin. Tout sera sur WhatsApp et on envoie de la photo dès que c'est possible. Voilà. Comme d'hab, les photos c'est Anna, c'est pas moi. Je vous laisse travailler, prenez vos commandes, faites les choses comme il faut. Marquez bien les références pour le jean quand vous les verrez sur WhatsApp. Vous voulez une commande, vous marquez les références s'il vous plaît. Et pas seulement les noms, tout se ressemble au niveau de la jeanerie. Donc on a besoin d'avoir des références précises. Entre temps, on a tellement développé le jean que ça c'est compliqué pour nous de préparer des commandes si on n'a pas des références exactes. Mais ce n'était pas de votre faute, c'était nous qui mettions que des noms. Maintenant, voilà, on va un petit peu peaufiner le problème. Voilà, travaillez bien, passez une bonne soirée et puis à vos commandes et on vous suit comme d'habitude, nos problèmes. Bah, merci Marie-Laure, merci Ariel, merci tout le monde. Salut.